Hey, salut l'équipe, c'était GK. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc la vidéo Urbex partie 2 les potes. Voilà, donc vous m'avez dit de tout simplement filmer le chemin en quelque sorte. Donc là j'ai pas filmé à partir de chez moi. Donc voilà les potes, donc j'espère que la vidéo vous plaira comme la première partie tout simplement. J'ai vu qu'elle vous a pas mal plu, pas mal de likes aussi. Donc voilà, donc on peut apercevoir déjà de loin hein, le grand bâtiment et tout. C'est pour ça que je voulais passer par ici pour que vous voyez l'ensemble de l'urbex. Voilà les potes. Donc n'hésitez pas comme d'habitude me donner des conseils dans les commentaires. Et donc voilà. Re l'équipe. Donc voilà, donc là on va commencer à entrer tout simplement. Donc vous pouvez apercevoir là-bas ma copine. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'elle participe des fois dans les vidéos et qu'elle parle. Oh y'a, putain j'allais tomber mec. Voilà les potes. Donc on a, c'est d'ici on a commencé le premier épisode tout simplement. Mais comme il a plu, tout simplement, on a filmé dès l'entrée à l'intérieur. Voilà les potes. Donc là, on va tout simplement faire une petite coupure et on va se retrouver de l'autre côté. Voilà les potes. Donc voilà. Donc là, on se retrouve de l'autre côté où on va visiter tout ça. On va aller aussi sur le toit. Je vais aller sur le toit. Voilà. Donc toujours en compagnie de ma copine. Donc voilà, comme c'est assez grand, là on est de l'autre côté de l'usine. De l'autre côté de là où on est entré tout simplement. Donc c'est parti pour l'aventure pour cette deuxième partie. Let's go. On va voir directement pour monter. Je sais pas c'est où on a été monté. Je crois que c'est par là. L'autre jour. Ouais, comme je vous dis, il y a pas mal de casseurs. Attention, on marche aussi. Pour ceux qui se connaissent un petit peu en usine. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que ça pourrait être ici. Si ça pourrait être un genre d'ascenseur ou autre. Voilà, pas mal de tags aussi. C'est pas le pire. Voilà, let's go. Donc, je voulais vous reparler de l'histoire des deux suicides, tout simplement. Si je retrouve des images du journal tout simplement, je les mettrai tout simplement dans la vidéo. Salut les gars, c'est le monteur. Bon, je fais une petite pause pour vous raconter vite fait ce qui s'est passé au lieu de vous faire lire bêtement. Alors ce qui s'est passé, c'est que le lundi 8 août 2012 vers 23h, un corps sans vie d'un jeune homme a été découvert sur un site de 4,5 hectares. Donc ce site n'est autre que l'usine que TGK est en train d'explorer dans cette vidéo. Puis deux ans plus tard, il y a eu un autre suicide qui est le suicide d'une jeune femme en octobre 2014. Ah, et petite promo, si jamais vous aimez tout ce qui est jeux d'horreur, tout ça, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne. Voilà, c'est tout. Bon les gars, je vous laisse avec la vidéo. Voilà les potes. On peut monter sur le toit. Donc voilà, il y a pas mal de choses à visiter, comme je vous l'ai dit. Donc je sais, petite dédicace d'ailleurs à un poteau de ma classe, qui est monté sur le toit. D'ailleurs, grosse dédicace à toi, poteau. Je pense pas que, ou on verra en fin de vidéo, peut-être un petit extrait où je montrerai sur le toit, je sais pas. Sinon on va continuer l'aventure les potes. Là par ici c'est pas mal de grandes pièces, toujours ça change pas. Et là on va visiter après un côté assez assez chaud, voilà. Donc ici faut faire attention là où tu mets les pieds parce que tu sens tout simplement le sol, le toit en fait d'en bas qui est pas assez solide. Comme vous pouvez le voir là, ici ça s'est effondré. Alors, let's go. Faut faire vraiment attention là où on marche. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche. Donc là, on est passé par le chantier tout simplement pour venir. Il n'y avait personne, donc vu que personne travaille. Voilà. Donc, comme je vous disais pour les deux suicides. J'avais mon pote sur Snap qui me disait comme quoi on pouvait retrouver la corde dans une pièce. Donc le souci c'est que pour l'instant je n'ai pas trouvé de corde. Voilà. J'ai essayé de chercher mais je n'ai rien trouvé. Voilà, il n'y a rien. Rien de spécial. C'est plus du tout solide ici. Hein. On va visiter l'étage en haut. Oula, va falloir faire vraiment attention. Hein.
Enfin, je vais voir si c'est possible de visiter. Et ensuite, on va descendre. Il va falloir vraiment faire attention là où on marche, hein. Parce qu'il y a comme il y a pas mal de trous là sur les toits. En tout cas, c'est magnifique les potes, hein. Ici pour prendre des photos et tout, visiter. C'est quand même un bon site à visiter les potes. Voilà, je pense qu'on va descendre. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous préférez tout simplement le premier épisode ou le deuxième. Voilà. Et des choses à m'améliorer ou autre. Voilà. Dites-moi aussi si la qualité est assez pas mal. Vous êtes plaigné beaucoup pour la luminosité, voilà, la lumière. Quand on était en bas au sous-sol. Bah, sachez maintenant j'ai une lumière, voilà, une assez bonne lumière sur ma tête. Donc là elle est pas mise, hein, ça sert à rien. Il y avait aussi un trou dans le mur qu'on avait vu avec ma copine, je sais pas où il est, qu'on pouvait rentrer dedans. J'aimerais bien le voir, histoire de rentrer dedans avec vous. Alors on va essayer ici et ensuite on va tourner à droite si c'est pas ici. Ici, ça devait sûrement le gaz, etc. Pas du tout, elle est la pièce, du coup on était passé par le mur. Et bon, tant pis les potes, je pense qu'on va avancer vers les citernes pour vous faire visiter ça. Comme ça on sera tranquille les potos. C'est assez dégueulasse. On va faire le tour. Oh l'équipe. Voilà. Cette partie-là, nous n'avons pas visité avec vous. Et bien maintenant, c'est le cas. C'est parti. On va essayer de terminer l'urbex pour une vidéo. Qu'on en termine. Donc, on va commencer à monter là. Par l'échelle, pas par l'échelle mais par l'escalier je veux dire, comme ça je vais pouvoir vous faire montrer. Donc vous voyez, hein, ça a été un genre d'entrepôt et moi je pense que ça n'a pas été des casseurs qui ont fait ça. Je pense surtout, je sais pas, par la flotte, le temps, etc. Il n'y a rien à visiter ici les potes, c'est juste pour vous faire montrer le toit.
voilà. Et on va essayer de rentrer là-dedans. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez les vidéos gaming ou les vidéos urbex comme ça. Voilà, d'ailleurs on va visiter normalement un funérarium. Donc là on va sortir pour ensuite aller à l'urbex. À la citerne. Donc je vais vous faire montrer déjà là-bas la petite baraque. Encore ici abandonnée, mais bon, pareil, que des entrepôts vides. Il n'y a pas de pièces. Donc on n'ira pas, donc ça sert à rien, voilà. Alors là franchement je sais pas, va falloir me dire pour ceux qui ont des parents qui travaillent dans les usines ou autres. Ou des personnes qui s'y connaissent. C'est assez bizarre. En effet. Donc voilà, donc là on va sortir. Je vais essayer de monter en haut de la citerne. Pas tout en haut, mais vous avez compris. L'intérieur. Et on clôturera cette vidéo, tout simplement les poteaux. Il va falloir que je fasse vraiment attention, donc je sais pas si comment ça va être quand je vais monter, car tout simplement les escaliers sont plus solides. Voilà. C'était pour vous dire, il y avait un monsieur qui m'avait prévenu comme quoi de pas y monter. Je l'ai fait quand même. Parce que comme je vous dis, cet endroit est pas mal visité. Hein. Voilà, donc là il n'y a rien, c'est même pas un sous-sol, je sais pas ce que c'est. Voilà, les escaliers, l'état où ils sont. Donc l'autre jour j'avais monté dessus. Voilà, c'est assez risqué, hein. Alors qu'en haut il n'y a pas grand chose à visiter, mais je vais vous le faire quand même. Alors ma copine va tenir le téléphone. Donc il y aura sûrement des coupures. Voilà les potes, va falloir vraiment faire attention. Voilà. Ouh là 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 là. Voilà, là ils sont assez solides. Alors vraiment c'est pas grand chose, hein. C'est une petite pièce. N'empêche, c'est bien venir ici squatter avec ses potes. Non, franchement. Alors là, t'es tranquille. Malgré les petits bouts de verre. Donc voilà les potes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà. Il y a eu pas mal de likes sur la dernière vidéo, mais pas beaucoup de commentaires. Je suis assez déçu. Et pour ceux qui sont encore là, à le moment de la vidéo où je vous parle, mettez hashtag team, hashtag team TGK Army, voilà. N'hésitez pas à le faire, comme ça je saurai qui sont les vrais, qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin. Voilà les potos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet urbex. Nous avons clôturé cette aventure et nous allons voir visiter d'autres lieux abandonnés, tout simplement, d'autres sites. Voilà les potes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de liker la vidéo, de la partager à vos amis. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo les potos. Sur ce, ciao ciao tout le monde. Bis.